Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit retour sur certains de mes articles reçus en partenariat que je vous ai présentés dans les vidéos unboxing. Donc, dans cette vidéo, je vais commencer avec des articles reçus en partenariat avec la boutique One Day Saving. Donc, en réalité, c'est les trois articles que je vous ai présentés du colis numéro 11 dans la partie 1 et partie 2. J'avais quatre articles, mais il y a le stylet lumineux. Donc déjà le stylet lumineux, je peux vous dire qu'il marche très très bien, il fonctionne très bien. Franchement, je l'ai utilisé à la tombée de la nuit dehors et ça éclaire super bien votre toile pour poser vos diamants, c'est vraiment le top. J'avais trois autres articles que je vous ai présentés. Donc il y avait le carnet, donc le superbe carnet de la femme au chapeau, dans les tons noir, gris et rouge. Et franchement, il est juste splendide. Je regrette pas du tout mon choix. Regardez-moi cette beauté. Franchement, on dirait qu'il y a des vrais bijoux sur le carnet, hein, entre son collier et les boucles d'oreilles. Et puis bah, sa robe et tout. Enfin, moi, je trouve juste, franchement, j'y trouve juste splendide, quoi. Il est vraiment magnifique, ce carnet. Donc, boutique One Day Saving, hein, si vous voulez le retrouver. Au niveau des diamants, franchement, je peux vous dire que les trois articles que j'ai faits, il n'y a aucun souci. Hop, je vais vous montrer pour le carnet. Hop là, il me reste de tous les diamants. Et vous voyez, à chaque fois, en large quantité, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Je pense que j'aurais pu refaire un carnet sans problème avec tous les diamants qu'ils m'ont donné. Même hop, les gros en amande, il m'en fallait qu'un, ils m'en ont mis quatre, donc je risquais pas d'en manquer, quoi. Hein. Vraiment, tous les diamants sont en surplus. Mais ça, franchement, ça ne m'étonne pas. Ce qui m'étonnerait vraiment, c'est un jour de manquer de diamants avec la boutique, parce que pour le moment, comme vous le voyez, hein, 11e colis. Donc ça fait un petit moment maintenant que je suis en partenariat avec One Day Saving et je n'ai jamais eu aucun manquant de diamants. Donc franchement, pas de manquant, pas d'erreur. Voilà, tout a toujours été super bien, donc vraiment aucun souci. Donc voilà pour le carnet. En tout cas, franchement, je regrette vraiment pas mon choix. Moi, je le trouve vraiment splendide. Après, c'est sûr qu'il faut aimer ce style-là, hein. Mais moi j'adore, donc franchement là je ne regrette pas du tout. Donc bien sûr je vais le vernir, hein, comme d'habitude, et puis bah, après hein, je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment juste magnifique. Ensuite, donc je vous avais présenté aussi la maison pour les oiseaux. Donc elle est là, elle est montée, elle est diamantée. Franchement, elle est juste super belle. Donc, regardez au niveau des diamants. Hop. Donc, vous avez les fleurs à diamanter, les deux petits oiseaux, les feuilles. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à diamanter, mais voilà. Franchement, je trouve que c'est une superbe idée parce que, au moins, bah, voilà, vous avez une petite cabane pour les oiseaux. Puis en plus, bah, vous avez votre petite touche à vous dessus avec les diamants. Donc, franchement, je trouve ça génial. Et c'est vraiment pas dur à monter. Donc, du coup, en fait, j'ai posé le socle sur ma table. Ensuite, j'ai clipsé donc, les deux côtés directement au socle. Et puis après, j'ai clipsé aussi l'avant et l'arrière. Donc sur le dessous, du coup, après, vous avez des encoches qui dépassent. Et à l'intérieur, vous avez juste à glisser, voyez, les pièces qui sont en croix, vous les glissez à l'intérieur, ce qui permet de tenir les pièces et franchement de tenir les côtés. Et aucun souci, vraiment, c'est pas compliqué du tout. Et après, vous avez les deux planches que vous posez sur le toit. Et comme vous pouvez voir, donc il y en a une qui est plus grande que l'autre exprès pour qu'elle puisse bien se mettre l'une contre l'autre.
Et pareil, avec encore 4 pièces sur le dessus à clipser à l'intérieur des encoches hein, pour pouvoir faire tenir tout ça. Et puis bien sûr, bah, le fil hein, qui est aussi prévu dans le kit hein, pour pouvoir après accrocher votre maison. Donc là, moi, je ne l'ai pas encore accroché parce que bien sûr, bah, je voulais faire ma vidéo pour vous montrer la maison terminée. Et puis en plus, bah, je ne vous cache pas que je vais la vernir hein, puisqu'elle va aller dehors. Même si j'ai vu avec mon mari, peut-être pour la mettre, on a un retour de toit sur la au niveau de la porte d'entrée et du coup je pense qu'on va la mettre en dessous pour qu'elle soit à l'abri, pour qu'elle s'abîme un minimum, parce que sinon bah forcément avec tout ce qui est neige, pluie, etc., le vent, j'ai peur qu'elle s'abîme. Mais par contre bah faut qu'on voit comment on fait, parce qu'il faut quand même qu'on la mette un peu en hauteur, parce que j'ai 2 chats et puis il y a les chats aussi du quartier, donc je voudrais pas que les petits oiseaux se fassent manger. Mais mon mari la trouve très jolie aussi, il m'a dit on va acheter une boule de graisse ou quelque chose pour mettre à l'intérieur pour attirer les oiseaux. Mais franchement, pareil, là je suis vraiment contente de mon choix. Je trouve que c'est vraiment agréable de diamanter quelque chose qui va être utile après par la suite. Donc voilà ma petite maison pour les oiseaux. Au niveau des diamants, pareil, aucun souci. Hop, il me reste de tous les diamants, j'ai eu aucun manquant. Puis là, pareil, hein, vous voyez, au niveau des quantités, je veux dire, pour le peu à chaque fois qu'il y avait à utiliser au niveau des couleurs, bah, à chaque fois, j'ai largement la quantité qu'il me fallait. Hein. Mais alors, quand je vous dis largement, c'est vraiment largement. Là, vous voyez, les bleus, il en reste un peu moins que les autres, mais forcément, il n'en fallait pas beaucoup. Il y avait juste sur les oiseaux, et encore sur les oiseaux, vous avez 3 bleus différents. Donc, hop, voilà, ceux-là. Donc vous voyez, il reste de toutes les couleurs sans problème. Donc la petite maison pour les oiseaux, le carnet, pour le moment tout est validé. Je ne regrette pas mes choix, ça serait à refaire, je le referai sans problème. Hop. Alors... Donc voilà pour les 2 articles, et puis ensuite dans la vidéo partie 2, je vous ai présenté donc le marque-page Hippocampe. Et franchement, alors hyper rapide à diamanter, hein, entre la préparation et le fait d'y diamanter, j'ai dû mettre 10 minutes maxi. Mais les diamants sont juste trop top, là, les 2 fleurs au milieu, l'étoile, les étoiles, parce que vous avez 2 tailles d'étoiles différentes, le coquillage... Franchement, ça a été un plaisir de le diamanter, mais ça a été super rapide. Et là, encore une fois, pareil au niveau des diamants, mais vous voyez, par exemple, les fleurs, il m'en fallait 2, j'en avais 8. Donc, vous imaginez un petit peu le surplus. Les étoiles, encore pire. Les étoiles, il m'en fallait 1 taille de chaque. Un diamant de chaque taille, on va dire, plutôt, c'est plus compréhensif. Et vous allez voir tout ce qui me reste. Donc ça, c'est les fleurs, hein, vous voyez, j'en ai encore un paquet. Hop, donc les diamants basiques, un petit peu plus gros. Les coquillages, c'est pareil, il m'en fallait 15, j'en avais 4. Donc les noirs, c'est pareil, hein, il m'en fallait 1 pour faire l'œil, c'est tout. Les étoiles, vous voyez, ce format-là, il m'en fallait 1. Celle-ci, pareil, il m'en fallait qu'une, regardez tout ce que j'ai. Pareil, les nacrés, j'en ai mis un seul, regardez tout ce que j'ai. Et pareil, pour les petites amandes roses, il m'en fallait un seul aussi, regardez tout ce qui me reste. Donc là, franchement, là, avec tous les diamants qu'ils m'ont mis, j'aurais pu faire, je pense, bien 3 ou 4 hippocampes faciles. Hein. Donc il n'y a vraiment aucun souci, vraiment aucun problème de diamant. Je ne sais pas pour celles qui commandent sur la boutique OLD Saving, si vous est déjà arrivé d'avoir des manquants de diamants, dites-moi. Mais en tout cas, moi, j'en rencontre vraiment aucun problème. Donc après, je me pose la question, hein, est-ce qu'ils y font attention par rapport aux partenaires?
pour pas que justement on puisse indiquer qu'il y a des soucis là-dessus, mais je ne pense pas, je pense qu'ils font bien leur boulot. Mais n'hésitez pas à me dire vous si vous avez déjà rencontré des problèmes avec la boutique, mais en tout cas moi je peux vous dire que j'ai vraiment rencontré aucun souci jusqu'à maintenant. Je croise les doigts que ça continue, ça me fait plaisir pour moi, mais ça me fait plaisir aussi pour eux, parce que vraiment c'est une très bonne boutique, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Il est vraiment super beau cet hippocampe. Et comme je vous l'avais montré, hein, il y a énormément de modèles. Alors je ne sais plus combien exactement, mais je vous remettrai la photo en fin de vidéo. Je vous avais mis aussi la photo sur la vidéo unboxing, hein, où il y a tous les marque-pages différents. Et franchement, il est top, il est fin. Franchement, c'est génial. Donc là, pareil, bah, je vais y diamanter. Là, je pense que je vais me faire une petite heure de vernissage. Je vais mettre du vernis sur tous les accessoires que j'ai diamantés ces derniers temps, entre la boîte à lunettes, la boîte en bois, la maison pour les oiseaux, le marque-page, le carnet. Enfin, j'ai une tonne de choses à vernir. Donc là, je vais me prévoir une heure pour m'occuper de tout vernir, parce que là, ça commence à s'accumuler un petit peu sur le bureau. En tout cas, voilà. Donc, comme à mon habitude, hein, vous le savez, je vous montre toujours les articles terminés. Et là, bah, c'est le cas. Je les ai fait très très vite, hein, puisque c'est vrai que le colis numéro 11 de Wendy Savings, ça fait pas très très longtemps que je l'ai reçu et que je vous ai présenté les articles. Et du coup, ben, honnêtement, j'en suis super contente. J'étais vraiment pressée de les faire, ces articles-là. Et puis, ben, week-end de 3 jours, ça aide. Hein. 3 jours sans aller au boulot, forcément. Même si c'était le week-end de mon anniversaire. Donc, voilà, j'ai eu du monde à la maison samedi. Et puis, ben, il y en a qui le savent, mais je me suis fait mon propre cadeau d'anniversaire. Ça faisait très longtemps que je voulais me racheter une moto, puisque je suis motarde depuis mes 19 ans, et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas racheté une, parce que je tenais à attendre que mes enfants grandissent, et c'est chose faite. Donc là, je me suis fait mon plus bel anniversaire, parce que ça faisait vraiment un moment que je voulais me racheter une moto, et en plus j'ai trouvé vraiment la moto que je désirais. Donc je suis vraiment aux anges, mais forcément, bah voilà, il faut que je me partage aussi avec la reprise de la moto, parce que pour le moment j'y vais tranquillement, puisque là ça faisait un petit moment que j'avais pas conduit. Ça faisait bien 3-4 ans là que j'avais pas touché une moto, donc je m'y remets tranquillement. Je suis en train de me racheter tout mon équipement, puisque tout ce qui me restait était assez ancien, donc je veux tout changer. Donc voilà, tout ça prend du temps, mais vous voyez, je suis encore là, je prends quand même le temps de venir vous voir et de faire les articles pour pouvoir vous présenter vraiment les articles des boutiques, en essayant de vous présenter les nouveautés au maximum quand il y en a. Et puis voilà, j'essaye que ça change un petit peu. Donc écoutez, bah, dites-moi ce que vous pensez de ces trois articles. En tout cas, bah là, franchement, carton plein, je pense que j'ai bien choisi, parce que j'ai vraiment adoré les faire et je trouve qu'ils sont super, super beaux et super intéressants. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous, parce que moi je vais continuer mes vidéos, je vais essayer d'en faire plusieurs d'affilée, puisque j'ai préparé plein de petites choses pour vous, puisque bah, comme je vous l'ai dit, hein, je n'ai pas arrêté les loisirs, c'est juste qu'il me faut juste trouver le temps après de faire les vidéos, les montages, etc. Mais je suis là, je garde une petite place toujours pour vous. Et bah écoutez, je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très très vite. Bisous les loulous.